Allez, par ici. Bien, faites pas trop manger ce matin. Nous avons donc des statues de Saint Dismas flippantes. Et des escaliers taillés dans la roche. Nathan, je crois qu'on peut dire qu'on est dans une grotte de pirates. Oh, c'est pas une porte, ça? Ah, mais si, on dirait bien. Approche. Viens voir ça. C'est gluant. Je sens une sorte de levier au fond. Eh ben, allez, actionne-le qu'on voit. Quoi? Ça pourrait être un piège. T'es déjà dedans, alors je vois pas ce qui pourrait t'arriver de pire. Je pourrais perdre ma main. On te trouvera un crochet. Te fais pas prier. Crochet. Allez, on y va. T'es sérieux? Nous y voilà. Plutôt sympa, la déco. Alors que le paradis se destine aux valeureux sols, les cœurs infidèles n'auront eux qu'un linceul. De toute évidence, Avery était meilleur pirate que poète. Sauf que c'est pas d'Avery. Comment ça? Regarde. C'est le pirate de Rhode Island. Thomas Tew. Mais non, c'est pas possible. Je veux dire, je vois bien que c'est son emblème, mais Tew est mort en attaquant la même flotte au trésor qu'Avery. Oui, enfin, si on en croit les légendes. Si c'est bien l'emblème de Tew, alors ça veut dire qu'il est impliqué dans toute cette histoire. Mais comment? Très bonne question. Qui ces types, d'après toi? Bah, ceux qui ont le cœur infidèle, j'imagine. J'ai l'impression qu'Avery ou Thomas Tew essaient juste de nous faire peur. Heureusement qu'on est des chasseurs de trésors aguerris. Heureusement. M'a l'air aussi sûr que tous les autres. Ouais, mais il a tenu jusque-là. J'ai vraiment pas confiance. C'est bon, ça tient, allez! Ces ponts ne sont vraiment pas construits dans les règles de l'art. Bien sûr que si. Dans celles des pirates. Ok, donc il y avait un chemin ici. Regarde là-haut, encore des voûtes taillées dans la roche. Oh non, il me reste encore des cailloux des 10 dernières glissades dans les chaussures. Ok. Je fais ça comme un vrai pro maintenant. Alors, est-ce que Tew a construit cet endroit avec Avery? Ah, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ah, moi non plus. C'est vrai, si Avery veut vraiment cacher son trésor, pourquoi impliquer un autre pirate? Peut-être qu'il le considérait comme un membre de son équipage. Peut-être même qu'il lui envoyait une de ses croix de Saint Dismas. Ouais. Peut-être que Tew a pris tout le trésor pour lui. Arrête, dis pas ça. En tout cas, on va pas tarder à le découvrir.
On rentrera pas par là. Au moins, je suis pas tombé dans un trou ou un truc dans le genre. Ça a l'air... compliqué. Je crois qu'on peut le dire. J'ai trouvé un autre interrupteur. Attention. Attends, je vais seulement lui enlever la main de là. Oh. Eh ben... On dirait un genre de test. Tu peux l'améliorer. Une épreuve. Ouais. Ce gars-là, il a dû échouer. Il va falloir faire mieux. Il y a quelque chose sur le bas, là. Ouais, c'est un seau. Ok. Et maintenant ? Tiens là ! Voilà, il est plein. Ok, passe-le-moi. Je vais le remettre dans cette espèce de grande roue. Ce que font ces roues. Ok, je crois que je comprends ce qui se passe ici. C'est en rapport avec les trois croix ? Ouais. Je crois qu'on est en train de regarder Jésus, notre gentil voleur Dismas et le mauvais larron Gestas. Dans ce cas, ça veut dire que la croix blanche est Dismas. Alors la noire est sûrement Gestas. Voilà. Sam, est-ce que Dismas était à la gauche de Jésus ? Ça dépend. Tu les regardes de devant ou de derrière ? De devant. Alors oui, il était à gauche. Ok, c'est ce que j'ai là. Tu crois que c'est tout ? Bah, essaie d'actionner l'interrupteur. Ouais, je pourrais. Nathan, Nathan. T'es sûr que tu veux faire ça ? Eh ben, plus trop. Je pense que les croix sont parfaitement au bon endroit. Alors dans ce cas, c'est le seau qui ne l'est pas. Bon, il y a bien de la lumière là-haut. Il y a quelque chose qui a bougé là-haut quand t'as posé le seau. Il y a une gouttière qui va du mécanisme jusqu'à la porte. Ok, alors, le seau est bien là. On le laisse. Ok, là ça doit être bon. On va tout de suite le savoir. On y va ? Alors, tu veux actionner l'interrupteur ? Oh non, 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 non. Je voudrais surtout pas te priver de ce privilège. Mais bien sûr. Attends, regarde, je crois que
si c'était un test, d'après toi, qu'est-ce que ça testait exactement? Si on sait remplir un seau? Il fallait bien connaître l'histoire de Saint-Dismas. Gavry et tout son équipage connaissaient sur le bout des doigts. Pas si compliqué que ça comme test. Mais c'est peut-être pas le seul. Faut que tu mets les pieds. Non, mais regarde-moi un peu cet endroit. C'est hallucinant. On doit être juste en dessous de la cathédrale. Tu crois que Rafe et Nadine peuvent s'imaginer un seul instant qu'il y a tout ça sous leurs pieds? Avec assez d'explosifs, ils vont le découvrir tôt ou tard. De monter sur ce pont cassé. C'était ça. Cherchons un moyen de monter. Viens ici. Je vais t'aider à monter. J'arrive. Ok. J'ai quelque chose pour toi là-haut. Tiens, tu peux te servir de ça pour atteindre les prises dans le mur. Suis-moi. Facilite pas vraiment les choses. J'imagine que c'était plus facile quand tous les ponts et les chemins étaient en bon état. Je crois qu'on est en retard de quelques centaines d'années. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est pas de plein pont ici. Fais gaffe à ta... Aïe! Je vais faire gaffe à ma... Ah! Oh, mais la ferme. Par là. Peut-être par là. Je vois de la lumière par là. Ah, les catacombes. Ça paraît logique. On est sous une cathédrale. Rien à signaler du côté des dortoirs? À part quelques épitaphes vraiment bien tournées, rien. Vous avez creusé près de la salle capitulaire? Oui, madame. On a aussi tout retourné côté nord-ouest. Et vous avez commencé dans le secteur sud? Non, pas encore. Il va nous falloir une journée pour y apporter la grue. Nadine? Alors faites-le.
En attendant, commencez quand même à creuser. J'envoie une équipe sur place, immédiatement. Très bien. Raif, quelque chose ressort des manuscrits? On peut parler en privé? Tenez-moi au courant. Bien, madame. Vous savez quoi? Ils ont trouvé une dépendance juste sous la cathédrale. Oui, je sais. Vous l'avez vu? Non. Pourquoi? Parce qu'après le passage de vos hommes, il y avait vraiment plus grand-chose à en tirer. Ils ont peut-être eu la main un peu lourde sur la dynamite. On aurait mis un troupeau d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Mais ils ont été plus efficaces en 2 jours que nous, en plusieurs mois. Plus efficaces. Je ne peux rien faire avec des gravats. Ok. Ok. Merci. Je leur dirai de vous consulter avant de prendre les mesures qui s'imposent. Dites-leur plutôt d'attendre que j'ai fini d'examiner les ruines avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non, pas question qu'on se contente d'attendre les bras croisés. Avec tout le respect que je vous dois, je pense avoir plus d'expérience que vous dans ce domaine. On a essayé votre méthode. C'est faux. Vous faites tout ce que vous pouvez pour faire disparaître cet endroit. Non ! Moi, je voulais voler cette croix bien avant qu'elle n'atterrisse dans cette vente aux enchères. Celle où vous m'avez empêché de venir avec mes hommes pour parer à toute éventualité. C'était le moyen le moins risqué de récupérer cette croix. Mais au lieu de suivre mon instinct, je vous ai écouté. Maintenant, on a des adversaires. Mais je pensais pas qu'ils se pointeraient là. Au contraire, vous vouliez qu'ils viennent. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça au juste? Parce que vous pensez avoir besoin de lui. Et c'est peut-être le cas. Quoi qu'il en soit, je vais pas rester à attendre plus longtemps. Si le trésor est là, il faut qu'on le trouve. Et s'il n'est pas là, il sera temps de passer à autre chose. Hé. Hey. Ça n'a rien de personnel. Évidemment. Je vous fais signe si on découvre quoi que ce soit. Faut qu'on trouve le trésor avant qu'il le fasse partir en fumée. Faut qu'il se mette à copuler. Attends. Tu crois qu'elle avait raison? Sur quoi? Sur le fait que Raif voulait que tu viennes. Du moment qu'il ne nous devance pas, je m'en tape. Aucune importance. De quelle dépendance est-ce que tu crois qu'ils étaient en train de parler? Ça doit être l'une des chambres latérales, parce que là, il n'y a que nous. C'est un peu trop haut pour sauter, à moins qu'on ait un trampoline. Je l'ai laissé dans mon jardin. Oh, zut. Mais attends, t'as un trampoline, toi? J'aimerais bien. Passage là derrière. Hé,
Attends. Tiens, tiens, tiens. J'envoie la caisse. Merci bien. Bon. On se rapproche de plus en plus de la cathédrale. Ou de ce qu'il en reste. Mais tu sais que c'est de la convia à la base. Je dois dire que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sophistiqué. Je suis d'accord. Ça a dû prendre des années à construire. Ils ont pas regardé à la dépense pour cacher ces 400 millions de dollars. Je tente le coup. Heureusement, t'es pas plus lourd que la caisse. Ok. Je suis passé. Bon, et maintenant ? Ben, j'ai réfléchi. On pourrait accrocher nos cordes là-dessus. Ça pourrait marcher. Un pont, pourquoi faire? Bon ben, moi, les ponts, en soi, ça me dérange pas. On peut pas passer par là. Mais alors comment on traverse? Par ici. Regarde ça. Si cet endroit n'était pas en train de s'écrouler de partout, on serait sûrement encore pris au piège. Attends, regarde bien. Putain de merde. Ça devait être un autre test, mais... tout s'est écroulé dans l'océan. Bon, et ben le nouveau test... c'est de savoir comment on va faire pour passer de l'autre côté. C'est quoi ça? Truc en bois en forme de bascule qui a l'air bien costaud, ça devrait le faire. Tentons le coup. Bon, quand faut y aller. Y arriver.
arriver, t'es trop bas. Je fais contrepoids, vas-y. J'ai réussi. Super. Mais comment je fais moi maintenant? Attends, je vais jeter un coup d'œil. Cool, cool. Bah, c'est dans le coin alors. Regarde un peu toute cette machinerie. Ça me permet bien d'apprécier tout le travail qui est fait. Qu'est-ce que ça donne? Laisse-moi deux secondes. J'ai trouvé quelque chose pour faire contrepoids sur la bascule. Ok, super. Merci. Encore un test de réussi. Au point où on en est, j'aimerais mieux tomber dans un autre piège. Tout ce que je veux, c'est qu'on arrive au bout de ce truc. Allez. Ok, ça commence à être spectaculaire avec toutes ces statues. Non mais, sérieusement, quel est l'intérêt de décorer l'endroit où est enterré le trésor? De créer des tests compliqués. Donc, soit on a loupé un épisode, soit Avery s'ennuyait à un point. Oh. Je crois que je m'y ferai jamais. Tiens, voilà encore une croix. Celle-là a quelques pierres incrustées, au moins. Oh ! Touche pas. Quoi ? Mais pourquoi ? Tu vois pas ? C'est la seule chose qui ait de la valeur dans cette grotte. Bien vu. C'est encore une épreuve. La cupidité. Ouais. Ou bien son contraire. Ok. Et donc ? Ça va se jouer avec les pièces. T'es sûr de ton coup? Ouais, quasiment. Quasiment, ça fera l'affaire. Attends, une seule d'abord. Ah ouais, j'ai compris. Faites que ce soit ça. Tu vois de quoi il s'agit? C'est Madagascar. Regarde, il y a une étoile là. C'est la baie du roi. Absolument. Quel sale enfoiré. Il nous fait tourner en bourrique. De quoi tu parles? Ce con d'Avery, il nous fait tourner en bourrique. On était censé toucher au but. Alors il est où ce putain de trésor, hein? La paix du roi, c'est bien beau. Mais après, ce sera quoi? Le pôle Nord? Une autre planète? Nathan. Alors que le paradis se destine aux valeureux sols. Et il recrutait des hommes. Qu'est-ce que tu racontes? Avery, il recrutait des hommes. Pourquoi il aurait recruté des hommes?